marmites. Donc les marmites, ça va être les creux que vous allez pouvoir voir sur certains rochers tout le long de la balade. Les creux qui ont été faits par l'eau. En fait, c'était des petits creux qui avaient des petits trous ou des petites fissures qui pouvaient y avoir sur le rocher. Et l'eau, à force de passer, l'érosion a permis d'enlever petit à petit des petits morceaux de cristaux et de faire les trous qu'on peut voir à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait à un an. Hein. Non, c'est vrai. Moi, j'ai des. Qui sont faits pendant des milliers et des milliers d'années. Donc là, on les voit surtout sur le dessus. Tout à l'heure, on ira voir un rocher. Alors, je ne sais pas si on pourra monter jusqu'en haut pour être vraiment sous l'eau. Si vous voyez la taille de l'oie, imaginez la taille des vaches, etc. Donc chaque soir, il comptait ses animaux et un soir, il lui manquait une oie. Donc quand il recompte quand même, il se dit quand même, des oiseaux de cette taille, ça ne peut pas disparaître. Donc il s'est dit, je vais l'attendre. Donc il a attendu devant l'enclos toute la nuit. Et au petit matin, il voit une tache blanche au loin apparaître, toute guillerette en sautillant, l'oie revenait. Sauf que l'oie, quand elle a vu son maître, elle s'est faite toute petite, elle ne voulait pas trop avancer. Il a quand même fallu qu'elle avance jusqu'à lui pour rejoindre son nid. Et arrivé devant lui, donc ce géant avait bien évidemment le pouvoir de parler aux animaux. Donc son maître lui a demandé ce qu'elle faisait là et où elle était passée. Donc au début, elle n'osait pas trop lui dire parce qu'elle savait qu'elle allait se faire punir. Et au bout d'un moment, elle lui a avoué qu'elle était allée rejoindre le jar du voisin. Donc pour les enfants, le jar, c'est le mal de l'oie. Donc elle est allée rejoindre le jar du voisin, donc là son maître s'est mis dans une fureur folle en disant « Mais pourquoi t'es pas allée voir mes jars, ils sont très beaux, ils sont très gentils, tu devrais rester avec eux. »« Oui, mais tu comprends, le jar du voisin, il est plus beau, etc. » Donc elle est allée voir le jar du voisin. Donc il commence à s'énerver, je dis « Mais j'ai pondu un œuf. » Donc là son maître est calculé, là, et il se dit « C'est mon oie, elle a pondu un œuf, même si c'est avec le jar du voisin, l'œuf il est en bon. » Donc il lui dit on va passer un marché, tu auras le droit d'aller couver ton œuf tous les soirs mais il faudra que tu sois revenu avant le lever du jour. Si jamais tu ne reviens pas avant le lever du jour, tu seras puni. Donc elle, toute contente, elle accepte de suite. Donc le soir venu, elle va rejoindre son amant chez le voisin. Il parle, il y a des enfants, il papote toute la nuit, elle couve son œuf et elle revient avant le lever du jour. Donc ça, elle le fait 3-4 nuits, sauf qu'à force de ne pas dormir et le matin de raconter tout aux copines, et bien elle dort plus ni de la nuit ni de la journée. Donc au bout de la 3 ou 4ème nuit, elle s'endort sur son œuf et c'est les rayons du soleil qui l'ont réveillée. Donc là, inquiète, elle court et elle se retrouve ici où son maître l'attendait déjà. Et pour la punir, il l'a pétrifié en granit et il a pétrifié également son œuf que vous pourrez retrouver sur d'autres sentiers du Sud-Ouvre, notamment au carreau de la Roucate. Et celui à qui a tiré la trompe, dès qu'elle a transformé, à force de tirer la trompe, la trompe s'est coupée. Et c'est pour ça qu'on ne voit quasiment pas sa trompe à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ça me trompe pas. Donc là, vous êtes devant la Peyrouclabada. Derrière, vous avez les chiens pour monter. Donc la Peyrouclabada, donc c'est, alors à l'époque, quand on parlait cocitan chez nous, voilà, avant de parler le français, on disait la Peyrouclabada, ça veut dire la pierre clavée. Ah ben, on connaît. Hein. Donc clavée, pourquoi? Parce que au milieu, en fait, il y a une clavette. Vous avez la grosse partie, d'accord, et le tout petit piédestal, et au milieu, vous avez comme une cale, d'accord. Donc, il y a des structures dans la... Un petit peu...